Je m'appelle Fanny Nollier, je suis chargée de mission PACA pour l'association Les Boîtes à Vélo France. Les Boîtes à Vélo, c'est une association qui représente les professionnels à vélo et on accompagne toutes les structures employeuses qui souhaiteraient elles aussi se développer à vélo. Les avantages à développer la cyclomobilité professionnelle pour les collectivités, il y en a plusieurs. Déjà, premièrement, ça permet d'apaiser les centres-villes sur une question de la pollution carbone, la pollution sonore, la pollution visuelle. Ça permet également de désengorger la ville. Ça permet aussi de limiter les coûts de stationnement. La cyclomobilité professionnelle, c'est également un atout pour les entreprises, notamment avec les nouvelles contraintes réglementaires, avec les ZFE par exemple, ou économiques, avec l'augmentation du prix du pétrole, et écologiques, avec la demande des clients et des structures qui font appel aux entreprises et qui demandent que les entreprises soient de plus en plus vertes et décarbonées. Vous aussi, collectivité, vous pouvez agir sur le développement de la cyclomobilité professionnelle en développant en interne des services en cyclomobilité, donc en substituant le véhicule et l'utilitaire, en le substituant avec le vélo cargo ou le vélo remorque ou le vélo électrique tout simple. Et ça, c'est possible sur de nombreuses activités en interne au sein de vos collectivités. Ça peut être pour la livraison de vos repas, ça peut être proposé aux services jardiniers, menuisiers, bibliothécaires de faire certaines opérations en vélo cargo. Et ça, ça permettra de vous, collectivité, d'être une structure exemplaire. Si vous souhaitez faciliter le développement de la cyclomobilité sur votre territoire, il y a plusieurs options. Premièrement, déjà à travers vos marchés publics, vous pouvez adapter les cahiers des charges pour faire en sorte de faire appel à des cycloprofessionnels par rapport aux services de traiteurs, comme des professionnels restaurateurs à vélo ou pour les livraisons, les cyclologisticiens, pour des services d'intervention en termes d'artisanat ou de réparation. Il y a de nombreux professionnels dans beaucoup de collectivités qui pourraient répondre à ces services et faire les opérations à vélo cargo. Vous pouvez également accompagner les entreprises en faisant des ateliers, des co-constructions avec elles pour les aider à développer leur modèle économique et à favoriser leur conversion. Vous pouvez aussi agir via des levées financières ou des aides incitatives, par exemple des aides à l'achat ou offrir des options de vélo cargo partagé ou à travers la mise à disposition de locaux à bas prix afin de faire des hubs cyclomobilité partagée. Les boîtes à vélo, on peut accompagner les collectivités pour qu'ensemble on co-construise des outils. Nous, on est assez souple, on peut co-construire des ateliers de sensibilisation, co-construire des programmes, accompagner plus spécifiquement une entreprise ou un service de votre collectivité. On est vraiment à votre disposition si vous souhaitez avec nous développer la cyclomobilité professionnelle sur le territoire. Les chargés de mission régionaux sont disponibles et vous pouvez nous appeler et on peut réfléchir ensemble à quelle serait l'opération la plus pertinente pour votre territoire.